Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose une correction des exercices écrits de la page 76, des syllabes K, KO, Q. Suivez avec moi. On commence par la première question. J'entoure toutes les lettres C. Donc, on commence par la première ligne. Si on a K, si c'est C, très bien, on entoure C. Très bien. Également, on a ici C en écriture cursive. Également, ici, on a C en écriture cursive. Et on a ici C en écriture script. Ça, c'est pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, ici, on a C. Très bien. Également, ici. Et enfin, C. Très bien. Deuxième question, je retrouve les mots cachés, je les recopie. Donc, on va mettre en ordre ces syllabes pour construire des mots. On commence par le premier mot, nar, ka. Donc, le mot, c'est canard. Très bien, on commence par ka, c, a, et ensuite nar. Donc, le premier mot, c'est canard. Le deuxième mot, si on a le, est co. Donc, le mot, ici, c'est école. On commence par et, accent, ensuite co, et enfin le. On obtient école. C'est le deuxième mot. Troisième mot, ici on a nœud et corps, donc le mot c'est corne. Très bien, corps et nœud. Le troisième mot c'est corne. Et enfin, ici on a quatre syllabes, mascarade. Donc le dernier mot c'est très bien, camarade. Donc, car. Première syllabe, ensuite ma, ra, de. Très bien, camarade. Donc ici on a quatre mots, canard, école, corne, camarade. Très bien. On passe maintenant à la question suivante. Question numéro 3. Je complète les mots avec les syllabes suivantes. Ka, ku, ko, ku. Le premier mot, ici on a cro, crocodile. Donc on va mettre ici co, c plus o. Très bien, co, crocodile. Ici on a nar. Donc on va mettre ici ka, c plus a, ka. Donc, canard. Ici, on a écureuil, écu, q, c, plus u. Q, écureuil. Et enfin, on a ici couleur, couleur, donc c, o, u. Couleur. Crocodile, canard, écureuil. Couleur. Très bien. Et enfin, on a quelques exercices d'écriture, la copie et la dictée. Pour la copie, vous allez écrire ce mot, corne, ici quatre fois, bien sûr en respectant les règles de l'écriture cursive. CORNE, ce sont des lettres qui s'écrivent dans une seule interligne. Et pour la deuxième ligne, vous allez écrire cette phrase, elle a deux cornes. Vous allez l'écrire deux fois. Très bien. Pour la dictée, essayez d'écrire quelques mots contenant les syllabes K, K, Q. Par exemple, corne, crocodile, canard, écureuil, école, camarade, etc. Ou bien vous pouvez écrire quelques phrases simples, quand vous voulez. On passe maintenant
Au dernier exercice, exercice de comptage, je compte dans les deux sens et j'écris les nombres. Commence le comptage par 83, ensuite 84, 85, très bien, 86, 87 et enfin 88. Sens inverse, 88, 87, 86, 85, 84, 83. Très bien. Je termine. 84 plus 5 est égal, très bien, 89. Ici, on a un nombre plus 9 est égal 89. Le nombre est très bien, c'est 80. 80 plus 9 est égal 89. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.